Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va continuer la commode, voilà, on est en cartonnage aujourd'hui. Ça commence à être long, mais bon, elle avance doucement mais sûrement. Bon, c'est vrai que j'en fais pas des heures tous les jours, parce que j'ai d'autres activités à côté aussi, hein. Ça va, bon, là j'en suis maintenant au tiroir, hein, comme je vous avais dit. Donc là j'en suis au tiroir moyen, c'est-à-dire les moyens. Alors c'est les longs, mais avec la petite hauteur. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait, parce que là je l'avais fait hors caméra hier, celui-là. Alors voilà un premier tiroir de fait. Voilà, donc que j'ai recouvert de tissu. Bon, là, c'est le derrière. Voilà. Donc, il n'y a pas encore la façade. Hein. La façade n'est pas dessus. Ça va être mis après, en dernier, une fois que j'aurai terminé l'intérieur. Donc là, vous voyez, j'ai déjà fait des petites cases dans celui-là. Voilà. Donc, chaque tiroir va être différent, je pense. Voilà. D'habitude, je fais mes cases après avoir mis le tissu, mais là, j'ai changé. Et je trouve que c'est beaucoup mieux d'avoir fait comme ça. Parce que j'ai plus de facilité à faire mes réglages de distance pour mes cases. Et puis, à coller également. Voilà, donc là, au moins, c'est bien collé dans le fond et ça risque pas de bouger. Tout est bien scellé sur la base du tiroir. Donc voilà, là, vous voyez, le tissu est donc bleu pour la base du tiroir. Après, je vais voir pour l'intérieur. Je pense que je vais encore faire en bleu. Je vais voir comment je vais faire. Hein. Ou à moins que je fais peut-être du noir pour les arêtes, je vais voir. Donc celle-là est à moitié finie pour l'instant. J'en ai monté une autre, un autre. Oui, tiroir, c'est au masculin. Hein. Voilà, donc un deuxième tiroir. Donc ça, c'est les tiroirs de un peu moins de 4 cm. Donc celui-là est à faire. Et là, voilà, et celui-là n'est pas monté du tout. Hein, là, j'ai découpé, mais je ne l'ai pas encore monté. Donc celui-là, on va le monter ensemble. Là, on va faire tout de suite... Pardon, j'ai un chat à la gorge. On va faire tout de suite la pose du tissu et l'intérieur du tiroir. Et le troisième, alors je vais voir si le troisième je lui fais des cases ou pas, je vais voir par moi-même après, je vais voir comment je vais faire. Sinon, après il me restera les deux grands tiroirs avec la hauteur de un peu moins de 5 cm, voilà, et les trois petits. Donc je vous remontre, hein, pour ceux qui n'avaient pas vu, la commode, la structure de la commode, la voici. Donc là, je suis en train de faire celui-là, celui-là et celui-ci. Voilà. Et les 5 cm, ce sera celui-ci et celui-ci. Voilà. Et après, il me restera les trois petits. Voilà. Et j'aurai toujours mon couvercle à faire. Donc là, c'est pareil. Hein. Je vais peut-être faire une séparation à l'intérieur. Je vais voir comment je vais m'y prendre. Je pense que je vais quand même faire une petite séparation. Vous voyez, comme si c'était au niveau des tiroirs, ici. Vous voyez, là, j'avais déjà fait un trait. Donc, je pense que je vais faire une séparation ici. Et comme ça, il restera un grand emplacement pour mettre... Parce que la personne qui va s'en servir, normalement, c'est pour son diamond painting. Le rangement de son diamond painting. Comme ça, elle aura de la place pour y ranger toutes ses tablettes, voilà, etc. Ses stylos. Elle pourra les mettre de l'autre côté, les stylés, pardon. Voilà, bon. J'essaye de faire pour que ce soit... que chaque tiroir ait son utilité. Je fais au mieux. Voilà. Ensuite, ils sont là-bas. Excusez-moi, je vais les rapprocher. Hier, j'ai fait en peinture
Donc, les boutons, les petits poignets pour les tiroirs. Voilà, là, ils sont encore... Là, maintenant, ils sont secs, donc ça va. Voilà, donc j'ai fait... Je vais sortir la mousse. Je laisse sur la mousse pour l'instant. Voilà. Donc, toutes les petites poignées ont été mises en peinture hier. Voilà. Je les ai fait à la bombe argentée, hein. Donc ça, ce sont des petites poignées, je vous rappelle que mon fils avait fait lui-même l'imprimante 3D, voilà. J'avais dit hein, que je ne trouvais pas les poignées qui m'auraient plu pour cette commode. Et donc, il m'a fait des petites poignées donc, en forme de diamant, voilà. Ben, ce qui rappelle, ce qui peut rappeler un peu le diamond painting, voilà. Donc là, j'en ai 13, si je ne me trompe pas, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ouais. J'en ai 13. Et j'en ai encore une ici, au cas où j'aurais besoin. Mais non, mais là, je pense qu'avec les 13, ça me suffit normalement. De toute façon, c'est sûr que 13, c'est bon. Mais j'en ai quand même une en plus, au cas où. Voilà, je vais les remettre dans leur carton. Hop, ne tombez pas, merci. Voilà, oui, je parle à des poignées, que voulez-vous. Alors, on va s'occuper de ce tiroir que l'on va faire dans le tissu bleu comme ceci. Alors, j'espère que... Normalement, non, je ne tomberai pas en panne de tissu. Ce serait ballot. Mais bon, on verra bien. Donc, normalement... Mais il fait toujours aussi chaud, hein. Tant mieux. Ben, le jardin, lui, est pas content, mais bon. Alors, 1, 2, ouais, je pense que ça devrait aller. Alors, je regarde ma mesure. Je vais mettre surtout là-bas, parce que là, c'est un peu plus large. C'était pas coupé très droit. Donc là, c'est bon. Je mets des épingles, comme ça, ça va tenir mon tissu, pour moi le couper. Alors, pendant que je suis là, je vous rappelle que sur la chaîne, il y a toujours le concours hein, pour gagner un kit de diamond painting. Donc, il est toujours d'actualité jusqu'à... Jusqu'au 1er juin, justement tout à l'heure on me demandait hein, la date. Donc jusqu'au 1er juin, vous pouvez toujours participer au concours. Donc je vous remets le lien ici. Bon, je crois que c'est là. Je vous remets le lien pour le concours si vous n'avez pas encore participé. Et là, je suis super, super, super contente parce que vous êtes extrêmement nombreux à participer. Là, alors de mémoire, je crois que vous êtes presque 140 à participer au concours. Donc, c'est vraiment super. Bon, là, j'ai pas encore de nouvelles pour le prochain. Hein. Le kit n'est pas encore arrivé. Mais de toute façon, même s'il serait arrivé, je ne le vous mets pas en ligne tout de suite. J'espère le recevoir au moins après le 15 juin, comme ça ben, je vous mettrai en ligne à ce moment-là. Alors, bon, je vais mettre encore une petite épingle ici pour pas que le tissu bouge. Voilà. Et une petite ici.
la place. Alors, mes ciseaux. Ah bah oui, ils sont là. Hop. Donc là, c'est vrai que bon, elle m'a pris beau, elle me prend beaucoup de temps hein, cette commode, mais bon, c'est vrai que comme j'ai dit, je ne fais pas, je travaille pas 7 heures sur la commode tous les jours hein, dessus. Si j'avais fait comme ça, bon, c'est vrai qu'elle aurait été finie depuis longtemps, mais bon, j'ai quand même d'autres choses à faire. Ben, j'ai la maison hein, aussi. Alors là, on m'a demandé de penser à un petit meuble aussi, bah, toujours pour le diamond painting, pour le rangement bah, des perles. Donc ça, je vais y penser parce que c'est vrai que même moi, ça me serait bien utile. Donc là, je vais voir le soir pour commencer à penser à élaborer un plan de petit meuble. Voir comment je peux faire ça. Donc là, si j'en fais un, ce sera vraiment une création 100% sur mesure, ben que j'aurais jamais fait avant. Donc je vais voir comment je vais faire. On verra. Voilà, j'ai ma bande, je vais la remettre un peu droite. Alors, je vérifie avant, pas faire de bêtises, hein, couper le tissu avant et puis me retrouver. C'est bon. Là, le tissu a été coupé de travers. Bon, c'est pas grave, hein, mais j'aime bien que ce soit droit. J'aurais pu le faire avec le fer à repasser, ça aurait été plus vite. Mais...
Aïe, je me pique. Je vais faire avec le contre-jour. Vous voyez, il n'y avait pas grand chose, mais bon. Au moins, mon tissu est un peu plus droit. Voilà, c'est mieux. Allez, je vais couper la bande blanche qui ne me sert à rien. C'est vrai, je descends ma poubelle. Parce que ce soir, on met les poubelles dehors. Je pense que ça ne vous intéresse pas, hein, mais bon. Je vois que j'ai fait tout ça, mais hors champ. Désolée, j'ai oublié de baisser mon téléphone. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. Mea culpa. Allez, maintenant je vous baisse le téléphone, vous verrez mieux. Voilà, c'est mieux, hein, vous voyez mieux là. Désolée, hein, j'ai vraiment pas fait attention. Quand il y a des bêtises à faire, je suis là. Voilà. Allez, on va commencer à coller le tissu. Donc, je vais répéter comme sur chacune de mes vidéos, la colle que j'utilise parce que je sais que certaines qui n'auront pas encore vu vont me le demander. Hop, voilà. Donc, j'utilise celle-ci. La Cléopâtre, hein, la vinyle école glue, donc la colle blanche, vous voyez. Donc c'est la colle blanche toute simple, hein, rien de spécial. Hein. C'est la colle aussi qui sert bah, justement dans les écoles. Donc, mais la Cléopâtre. J'utilise aucune autre colle hein, pour le cartonnage. Pour les grandes surfaces. Sinon, après, j'utilise celle-ci. Quand j'ai besoin pour des petits morceaux de, il faut que ça colle très très fort, ça, et de temps en temps, mais c'est très rare, la colle chaude quand je rajoute des petits objets sur le travail, mais bon, c'est vraiment très très rare. Par exemple, la colle chaude sur un cartonnage, je m'en sers surtout en décor. Quand on me demande de coller par exemple des fleurs ou des choses comme ça sur un couvercle, là j'utilise la colle chaude. Donc ce sont vraiment les trois seules colles que j'utilise pour le cartonnage.
Vous ne me verrez jamais utiliser d'autres cols. J'ai déjà essayé des cols blanches plus ordinaires, hein, qui coûtent un peu moins cher, malgré que la Cléopâtre n'est pas chère. Ah, le bidon d'un litre, c'est environ dans les 5 euros. Un peu moins dans les très grandes surfaces, hein, genre Pickwick. Mais donc, c'est pas, j'appelle pas ça cher pour une colle. Et j'ai déjà voulu essayer de la colle un peu plus ordinaire. C'était la cata. Hein. Ça faisait des traces sur le tissu. Ça se décollait au bout d'un moment, c'était vraiment pas top du tout. Donc, si vous voulez faire des cartonnages, n'essayez pas de prendre une colle moins chère. Vous allez abîmer votre travail, peut-être pas tout de suite, mais à la longue, il va s'abîmer plus vite. Donc surtout, pareil, le cartonnage... les deux endroits qu'il faut éviter les objets en cartonnage, c'est la salle de bain et la cuisine. Faut vraiment éviter, hein, parce que pour l'humidité, dans la cuisine, les graisses, les vapeurs. Donc c'est vraiment deux endroits où il faut éviter de mettre des objets en cartonnage. Après, on a plein d'autres pièces, hein. Les chambres, le salon, la salle à manger, le bureau. Vous pouvez vous servir de boîte de cartonnage pour plein de choses. Je vais couper le tissu que j'ai en trop, il me servira, hein, de toute façon, c'est pas perdu. Et voilà. Donc maintenant, on va s'occuper du fond. Bon, c'est pareil, quand vous faites du cartonnage, faut pas avoir peur d'avoir de la colle sur les mains, hein. Ça, vous allez en avoir. Alors, moi, vous voyez, je mets pas de gants, hein, pour travailler le cartonnage, parce que je trouve ça pas pratique du tout, justement à cause de la colle. Donc, évitez les gants. Vaut mieux, bon, de toute façon, bien se laver les mains après. Hein. La colle part tout de suite, hein, sous l'eau tiède, un peu de savon. Vos mains sont propres tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais vaut mieux éviter les gants, parce que justement avec la colle, vous allez être plus embêté qu'autre chose. Et là, c'est pas une colle forte, hein, c'est pas de la glu, c'est pas... donc.
Donc les fonds là, je vais les faire après. Je vais voir ce que je vais mettre. Je préfère faire tous mes tiroirs avant, voir ce qui me restera comme tissu et je verrai ce que je mettrai là sur le fond. Vous me direz, je pourrais le faire sans rien mettre parce que les fonds de tiroir, on ne les verra pas. Mais bon, moi, j'aime bien que ce soit bien fini. On ne voit plus de tout de carton. Voilà. Donc, je vais couper mes ongles. Alors, désolé, vous n'allez peut-être pas bien voir, mais moi, je suis obligée de me mettre comme ça pour bien voir mes ongles, pour les couper. Me mettre un peu dans le vide. Voilà. Et le dernier. Je viens de manger, j'ai encore mon ventre qui gargouille. Ah non, hein. Donc j'ai bien mangé. Ça y est, j'ai repris mon régime. Youpi. J'ai commencé hier. J'ai déjà eu un... Bon, c'est normal que j'ai eu un super résultat hein, le premier jour. C'est un changement d'alimentation dès le premier jour. Vous avez toujours un très beau résultat. Là, premier jour, j'ai perdu 1,4 kg. Mais bon, je ne fanfaronne pas, hein, parce que bon, je vous dis, c'est normal qu'on perde beaucoup hein, les premiers jours. Après, ça va ralentir. Principal, c'est de manger à sa faim. Là, j'ai repris le même régime qui m'avait fait perdre donc 18 kilos hein, là avant l'hiver. Bon, ça va sur les 18, j'en ai repris combien? Enfin, ça va. Comme j'avais dit, j'en ai repris 13-14. C'est pas parce que le régime ne fonctionne pas, hein, bien au contraire. C'est parce que c'est moi, hein, j'ai fait le con, puis voilà. Voilà. Alors pareil, là vous allez voir, je ne vais pas faire l'intérieur tout de suite. Il faut toujours laisser sécher hein, entre chaque étape. Parce que comme c'est la colle, c'est un élément humide, donc ça fait toujours gonfler un peu le carton. Et donc il faut laisser sécher
entre les deux pour que le carton se rétracte et ressèche bien, pour pas que vos mesures soient fausses après pour la suite. Voilà. Donc, mon tiroir, bon là, comme j'ai dit, on le fera après. Il est recouvert. Donc celui-là, on va le mettre de côté, on va attendre qu'il sèche gentiment. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'arrête pas de dire, voilà. C'est casse-pied. On va faire le montage donc, du troisième tiroir. Les épingles, j'en ai plus besoin pour l'instant. Du papier craft, hein, donc je vous rappelle, c'est ça, hein, le papier craft, papier gommé. Donc là, côté brillant, voilà. C'est là où il y a la colle. Donc pour que la colle fonctionne, on met de l'eau. Mais bon, ça vous devez connaître, hein, je pense. Alors j'en ai deux, il m'en faut encore deux. Voilà. Le petit côté. Vous avez déjà coupé, mais bon, hier je m'en suis servi du coup pour faire l'intérieur de l'autre tiroir. J'avais la flemme de recouper du papier hier. Là, et les petits, je les ai. Donc, on va commencer par les petits côtés. C'est parti. Ah, je vais plier mes papiers d'abord. C'est dommage, il fait trop chaud comme ça parce que du coup, impossible d'aller au jardin. Et en plus, ça grille tout. Je suis dégoûtée. Ça fait pas toujours du bien non plus au jardin, il pleut pas donc hier j'ai arrosé mais bon ça sert pas à grand chose. Faudra que j'arrose encore ce soir. Les petits, je les plierai après. J'ai fait en plus, là, je les ai pliés dans le même sens. Voilà. Là, c'est pas de la colle, hein, c'est de l'eau. Bon, j'ai déjà vu des personnes qui mettaient directement de la colle, mais
ça sert à rien. Hein. C'est fait pour mettre de l'eau. Par contre, là, je mets de la colle pour solidifier la base. Voilà, mon petit carton. Oh, puis, j'ai hâte aussi de l'avoir fini, c'est pour pouvoir ranger mon bureau, parce que du coup, là, c'est Hiroshima. La semaine prochaine, j'essaierai... Je vais tenter, ou alors j'irai plutôt à... On a vu qu'il y en avait à... Quel magasin? Mince. On était dans un magasin... Je sais plus. Je crois que c'est à Trafic qu'il y en avait. Des toiles pour... Là, je les ai toutes mis à l'envers. Pour refaire des tableaux pour mes dies. Sinon, bon, je tenterai une sortie à Action, mais bon. Enfin, je pense que maintenant, ça commence à se calmer. Le plus gros du troupeau est passé, je pense. Puis, de toute façon, s'il me faut qu'une toile... Oh, ma toile, je vais en caisse et puis hop. Alors par contre, j'ai su l'Action. Là, par contre, c'était, je trouve ça bien. Je sais pas s'ils font dans tous les Actions. Enfin, moi, j'ai su pour le mien ici. Ils mettent un nombre de paniers limité. Il y a plus de caddie. Ils mettent un nombre de paniers limité, je crois que c'est à, ça doit être 50 paniers. Et vous avez une vendeuse qui est à l'entrée du magasin, qui dès que vous rentrez, bah, vous met du gel hydroalcoolique dans les mains. Et elle vous donne un panier, donc le panier est obligatoire. Alors même si vous êtes à deux personnes, à deux ou à trois personnes, dans ce cas-là, ils vous donnent trois paniers. C'est une façon pour eux de compter le nombre de clients qu'il y a dans le magasin. Donc une fois qu'il n'y a plus de paniers de disponibles, on ne peut plus rentrer dans le magasin. Il faut attendre qu'il y ait d'autres personnes qui sortent. Et quand vous sortez de la caisse, quand vous avez fini vos achats, ils reprennent votre caddie, votre panier, et ils le désinfectent tout de suite. En tout cas, moi, chez moi, à Quai-Brochin, c'est comme ça qu'ils font. Donc chez vous, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que c'est vraiment bien. Bon, des fois, on peut les critiquer sur pas mal de choses, mais là, bon... ils assurent, je trouve. Donc au moins, bon, quand j'y retournerai, ça me mettra
un peu plus en confiance. Bon, on verra bien combien de temps ils vont faire ça, hein, aussi. Parce que bon, c'est comme mon Carrefour. Moi, j'ai un Carrefour Market chez moi. Au début, ils avaient mis un monsieur dehors, enfin à l'entrée du magasin, avec, il avait son seau, son gel, tout, les sopalins, les chiffons. Comme au magasin Hubo, c'est un magasin de bricolage belge que nous on a ici en France, près de chez moi, enfin chez moi, à Quai Brochain. Et donc, il y avait quelqu'un à chaque fois pour nettoyer le caddie. À chaque fois qu'un client sortait, à chaque fois que le client allait remettre le caddie en place, il fallait le redonner à ce monsieur et lui désinfecter le caddie. Mais maintenant, ils ne le font plus. Donc... Bon, je sais bien qu'ils vont pas faire ça tout le temps, hein, mais bon, là en ce moment, il faudrait peut-être encore le faire un peu, je pense. Enfin, je trouvais ça bien. Et même chez Hubo, ils ne le font plus non plus, magasin de bricolage. Donc à moi qu'il me faudrait des grosses courses, de toute façon je ne prends pas de caddie au magasin de bricolage. Je prends mon sac à commission à moi et puis voilà. Donc, ce matin on a dû y aller parce qu'on avait la tête du robinet là où coule l'eau. Qui était mort, on a dû aller chercher une tête de robinet, voilà, chercher le nom. Bon ben, il nous fallait que ça, on va pas s'amuser à prendre un caddie ou un panier ou quoi que ce soit. Mais bon, il n'y avait plus personne pour désinfecter les paniers ou les caddies. De toute façon, des fois, quand on voit dans les rues, les parcs, comme hier, là, j'ai vu ça aux infos, là, un match de foot un match de foot clandestin avec plus de 400 personnes. Oui. Bon, j'ai toujours pas acheté de pâte à fixe hein, pour faire tenir mon tapis sur mon bureau. Pas vraiment la priorité en ce moment, c'est la fin du mois donc j'attends pour aller chercher la pâte à fixe. Voilà. Ah, j'ai oublié de mettre. On va le mettre tout de suite. Bon, vous voyez, c'est simple hein, de faire un tiroir. Juste à assembler les morceaux de carton. Passe.
pas le carton hein, que je coupe. C'est le papier qui dépasse. Le dernier morceau. Bientôt avoir fini le tiroir. Donc là, je recoupe toujours les petits bouts parce que ça, c'est du 4 cm. Et comme là, ça fait un peu moins. Je suis obligée de recouper un petit peu à chaque fois, mais bon. Il y a quoi? Il y a 2 mm de différence. Voilà. Allez. Termine l'intérieur. Là et les deux angles.
Et voilà, le petit dernier. Voilà. Donc, mon fond de tiroir est fait. Donc pareil, je vais laisser sécher un petit peu. J'essuie un peu un lot qui est sur la table. Et je vais revenir un peu sur celui-là. Qui a déjà commencé à bien sécher. Là, donc, je vais regarder comment je vais faire pour celui-ci. Alors, comme j'avais dit, j'ai peut-être envie d'en laisser un entier. Je sais pas. Ma règle. On va voir. Déjà, je vais marquer le milieu. Ça me fait oui. Je cherche en quel sens je peux... Attends. Non, je suis pas bon. Je suis pas bon du tout, du tout. Je sais pas ce que j'ai fait. Oh, c'est quoi, c'est des... Là, je suis en centimètres.
C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Et ben voilà. Pas se frotter les yeux quand on a de la colle sur les mains. Donc là, je marque les endroits où je vais mettre les cloisons. Donc, là, j'ai... On va faire 8. Il faut faire des calculs d'apothicaire, hein, des fois. Faut que je redivise, il me reste 1,5 cm en trop. Ah voilà, désolé, j'ai dû faire une petite coupure parce que je m'en sortais pas avec mes calculs manuels, j'ai sorti la calculette sur le téléphone. Ça a été plus facile. Donc voilà, j'ai marqué mes carrés, voilà. Mes casiers, voilà, chercher le mot. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est découper les morceaux de carton que je vais avoir besoin pour fabriquer ce casier, pour mettre à l'intérieur du tiroir. Alors, j'avais déjà marqué ici ce que j'avais besoin. Donc, ça me fait 17. Voilà.
magasin. J'espère que je vois dans ce sens-là. Oui, c'est bon. J'ai fait 'Regarder si j'ai pas coupé dans du carton plus fin et si j'ai coupé dans du carton trop fin, je crois, non? Non, c'est le même, il me paraissait plus fin. Je sais pas pourquoi. Non, c'est le même. Là, impeccable. Alors maintenant, il faut que je marque. Les emplacements. Je vais faire les encoches.
Alors ça, ça va être pour faire les encoches, pour faire les casiers, pour les mettre l'un dans l'autre. Bon, c'est pas ce qu'il y a de moins long à faire, hein. Ah. Une petite surface comme ça, c'est difficile, hein, de tenir la règle. Voilà. Donc ça, ça vient pas comme ça ici.
Alors, je vais déjà fixer celui-là. Ah, j'arrive plus à ouvrir ma colle. Donc là, je vais utiliser celle-là de colle. Pour faire une première adhésion. Voilà. Et ensuite, okay, des petits bouts.
Désolée, hein, je parle pas beaucoup. Mais... Et là, comme c'est des petits morceaux, faut que je reste concentrée, comme la tomate. Ah, le jeu de mots. Le jeu de mots à deux balles. Bon, alors, il ne peut pas se couper. C'est quoi, ça? Voilà. Il y a un bout qui ne veut pas partir. Résiste. Voilà. Je recoupe un tout petit peu. Ah, zut. Pas grand chose, hein. Ouais. Impeccable. Donc celui-là, on peut le coller. Donc on va faire pareil. Mais avant, je fais. Bien fixer celui du milieu.
Vous voyez, là on a déjà passé une bonne heure et quart, je crois. Et vous voyez que ça continue à prendre du temps. Hein. On est seulement sur un tiroir de fée et là l'intérieur du deuxième que l'on commence. Du temps. Voilà. Alors, on va coller celui-là. Je vais tomber de la colle dans le dans la fente que j'ai faite. Pour bien que tout se colle et adhère bien et que ça ne bouge plus. C'est là qu'il faut faire attention que tout soit droit. Désolée, je suis baillée. Maintenant, 1, 2, on va faire ces deux-là.
Allez, on va faire l'encoche. Voilà, un petit bout.